first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in a fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. No. Salut à tous. Vous avez vu, j'ai pas fait exprès. Salut. De quoi? Je me suis assis, mes lunettes elles sont tombées. C'est vrai. J'ai pas vu. Ah, regardez. Bah, j'ai envie de dire, il fait trop beau. On est où là? On a dit bonjour? Oui. On a dit bonjour. On est à 100 km à peu près de Toulouse. Combien? À peu près 100 km. Non, 30. 30. Il m'a dit 30 le monsieur tout à l'heure. Ah bon? Ouais. Quel monsieur? Il y a un bandit qui nous a arrêté tout à l'heure quand on s'est garé, il nous a suivi, puis on a papoté un peu. Il nous a dit vous êtes à 30 km de Toulouse et si vous pouvez, vous faut l'éviter pour les grèves et les travaux. Non, mais là, voilà, je pense donc j'ai retenu ça, 30 km. Ah, je pensais qu'on était à plus que ça. Je m'en fous, moi, il peut y avoir des bouchons, tout ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Enfin, il faut juste qu'on ait les papiers qui arrivent. Hein. Attendez, il y a un train qui passe. Ils savent déjà qu'on a les papiers. C'est bruyant. Oui, oui, vous savez qu'on a les papiers. Vous avez vu ça dans la dernière vidéo. On peut expliquer en gros maintenant comment ça va se passer. On croirait pas que c'est vrai, quoi, en fait. Je vais vous mettre une petite vidéo de ma mère. Là, regardez, elle était chercher les papiers. Coucou mes amours, ça y est, on les a les papiers. On les a. On vous envoie ça tout de suite. Bisous, bisous, bisous. Sacré Monique, elle est enrouée de la gorge. C'est pas donc de sa du faute. Coup, elle est allée chercher les papiers à l'Adréal, elle nous a tout envoyé en recommandé avec accusé de réception, tout le bazar et tout, on s'en foutait. Merci maman. Et au final, bah, là on les attend, on devrait les recevoir sur Toulouse, on a donné une adresse sur Toulouse. En bas Toulouse, bien en bas ouais, Toulouse. Bien en bas Toulouse, vous en saurez un peu plus prochainement. Et on attend, et après il faudra faire la carte grise. On pense avoir la carte grise définitive. Fin de semaine prochaine. Fin de semaine prochaine, ouais. Donc, Inch'Allah. Inch'Allah. Bah, après, c'est Noël. La ouais. Semaine d'après, c'est Noël.
Ah la vache. Et ouais. On sait même pas où on va fêter. On verra. On va y arriver. Il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est qu'une question de jours et de semaines maintenant. Donc on ira au Maroc, c'est sûr et certain. On a juste un petit souci, je ne sais pas si on peut appeler ça un souci, c'est que on n'était pas censé prendre allumette, on voulait la laisser en vacances chez ma maman justement. Le temps du parce voyage. Qu'elle est bien là-bas aussi et je voulais pas trop qu'elle reste à squatter tout le temps dans le bus si les chiens là-bas c'est pas trop accepté, si c'est galère. Quoique allumette, honnêtement, elle prend vraiment pas de place. Elle est pas chiante, elle a pas besoin de se dépenser comme avec Gamora aussi, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui pourrait nous la remonter. Au pire, on nous a dit des blablacar, mais en fait, c'est interdit. Nous, on a laissé des messages sur blablacar, c'est interdit de remonter des animaux. Ils ne nous laissent pas passer les messages. Ouais. Donc, s'il y en a un d'entre vous qui ferait Narbonne, Maine-et-Loire, pour nous ramener le petit chien chez ma maman, Angers, ou alors ma maman, Saumur, ouais, la flèche, hein, Angers, Saumur, la flèche, ma mère, elle viendra la rechercher ouais. Là-bas. Je pense que ça serait la meilleure solution. Et si vraiment on ne trouve pas, on va lui faire la sacérologie là. Et on la recevra, je pense, par mail ou par courrier. On nous la renverra. Comme ça, on aura la sérologie. On est OK partout. Il nous manquait juste ça à faire. Il nous manque juste le petit papier. Voilà. Plus, notre projet est achevé à 60%. Je commence mes heures et mes longues heures de montage à partir de ce soir. J'ai compté environ une centaine d'heures de montage. Environ, hein. Mais ça me tenait à cœur de le faire et je vous avoue que ça nous a coûté un peu d'argent parce qu'il a fallu faire des allers-retours à droite à gauche pour aller, pas mal de kilomètres, ouais. Pour aller filmer et ça va prendre du temps, ça va nous coûter un petit peu d'argent mais je pense que le résultat risquerait d'être pas mal et je pense que ça va vous plaire aussi et dans tous les cas, comme j'ai eu l'idée, il fallait que je le fasse. C'est vrai, hein. C'est vrai. C'était quelque chose de réalisable, ça nous bouffe un petit peu là en ce moment là. Le temps qu'on a pour nous, parce qu'en fait, on est parti pour être plus tranquille et on n'a pas le temps de rien en ce moment. Donc, c'est un peu chiant, mais ça va se régler dans peu de temps. Je pense que semaine prochaine, fin de semaine prochaine, il y aura pas mal de boulot d'achever. Et c'est bon pour un peu souffler, prendre du bon temps. Il fait trop beau. Ah ouais, il fait trop beau. On est au bord d'un petit canal en plus, c'est super chouette. Ouais, il y avait des écluses et tout. Mais on l'a pas vu. Une seule. Mais c'est normal, elle est plus par là-bas. Ah ouais. Il y a une petite pénichette là-bas qui traîne. Une pénichette. C'est une petite péniche. D'accord. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Allez, on va faire miam miam. Allez, bisous. À tout à l'heure. Oh, je suis trop bien. Oh. Le soleil, ça fait du bien en fait. Hein ? La vitamine. C'est la vitamine C, le soleil. Oh, que c'est trop bon. T'as pas suivi? C'est pas la vitamine C, c'est la vitamine D. Alors? Parce que je t'écoute pas, en fait. Moi, je suis un dingue. Mais non. Tu me crois pas? Non. Tu me crois pas capable? Si, je te crois capable, mais... Mais quoi? Ça serait bête de le faire. Pourquoi? Ça serait marrant. Ça ferait rigoler les gens. Non? En plus, ça doit être gelé. C'est pas le moment d'être malade. Je suis déjà malade. C'est qu'un petit rhume. Ouais, tu vas t'en sortir. T'imagines, tu chopes une merde et tout. T'imagines, il y a une bête qui m'attrape par le fond et tu me revois plus jamais. Tu seras obligé de finir le road trip tout seul. Ah bah ouais. Je serais pas toute seule, je serais avec les enfants. Moi, je suis sûr qu'il y a un monstre qui traîne là-dessous. Moi, j'y vais pas. C'est mort.
your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What is getting deep now? What is getting deep now? Follow me around. Salut les bandits! Il faut qu'on vous explique un truc. Viens dire bonjour, Chouchou. Bonjour! Il faut qu'on vous explique un truc. Il nous arrivait. Je suis en pyjama. Il nous arrivait un truc de dingue. On est dans les Pyrénées ariégeoises et on est venu voir des amis. Et en fait, le terrain était impraticable. De toute façon, on ne peut même pas rentrer le bus. C'est trop mort. petite route et tout. Et ici, il n'y a pas de place pour se poser. C'est la montagne, quoi. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'endroit pour poser un bus. Ou alors, si c'est au bord de la route, sur les gros parkings, tout ça. Et on s'est posé près d'un petit village. Tout petit bandeau de route sur un côté avec de l'herbe, un petit banc. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et avec une toute petite maison en face. Donc on a été voir, c'était une petite dame, on a dit est-ce que ça vous dérange pas qu'on se pose là, on est chez des amis quelques jours, non pas de souci, posez-vous là, s'il y a quelqu'un qui vient vous voir de toute façon, enfin voilà, super gentil et tout. Et on était en galère d'eau, donc on en a parlé un petit peu hier, moi j'étais prêt à me recharger dans la petite rivière qui est là, mais apparemment l'eau elle n'est pas terrible. Et donc voilà, ce matin j'entends tut-tut, boulanger, tout ça qui vient chez la petite dame, je sors avec quelques euros, j'étais chercher des pains au chocolat et des croissants. Des chocolatines. Oui, mais il a dit c'était pas grave, il a dit on n'est pas raciste ici, pain au chocolat ou chocolatine, il a dit c'est le même prix. Et il a dit c'est juste les pains au chocolat, c'est 2 euros. J'ai dit bah, je vais prendre des chocolatines. Et voilà, vous voyez, et donc du coup la dame ce matin me dit vous pouvez vous charger en eau, il n'y a aucun souci. Donc Charlotte va pouvoir se laver. Enfin, je vais prendre ma douche. C'est pour ça que je suis en pyjama, parce que j'attends que l'eau elle chauffe. Je pense d'ailleurs, t'as senti hier. Oh, n'importe quoi. C'est pour ça qu'elle nous a dit on peut se recharger en eau. N'importe quoi. Donc, non, parce qu'ils nous avaient interdit. Hein. Restriction, interdit de prendre des douches, interdiction de faire des machines à laver, uniquement l'eau pour les choses urgentes, parce qu'il nous reste que 150 litres, c'est la réserve. Oui, c'est la réserve. Hein. Et voilà, vous voyez comme on a tiré par les bonnes choses. On est tombé sur la personne qu'il fallait. Et attends, t'as pas super tout gentille. Parce que ce matin, quand on est parti, ouais. Elle était en train de charger son bois avec des brouettes. Et bon, voilà, elle n'est pas toute jeune non plus. Quoi. Ah non, pas et toute du jeune, coup, ouais. Théo, il est sorti. Il m'a fait trop péter de rire. Il est sorti, il lui a dit ah bah, comme vous nous avez dépanné en eau, est-ce que vous voulez que je vous aide charger à charger votre bois, votre maison et tout? Elle était trop contente et elle lui a dit non, bah c'est bon, c'était ma dernière brouette, c'est super gentil à toi et tout, c'était trop marrant. Donc bah, je vais aller lui offrir des petits goodies tout à l'heure. Ouais, on va lui offrir des mugs et tout. Des petits mugs et tout, et puis franchement. Bah, une follower de plus peut-être. Peut-être. Elle est ultra gentille. Allumette, viens là, c'est la route. Ouais, ultra gentille. Donc très gentille, donc franchement, des échanges comme ça, c'est vraiment top. J'adore cette villa, j'adore cette villa. Et on n'a rien demandé, hein. C'est vrai qu'hier, on lui a juste demandé ce qu'il y a un stade pas loin, s'il où y avait un petit point d'eau, et tout ouais, ça. Voilà. Elle nous a dit en ville, on est allé voir, mais le bus, c'était juste non, pas possible. Pas. Et en fait, ils avaient coupé l'eau. Et le stade, pareil, ils avaient coupé le robinet. Donc on a dit, bon, bah tant pis, on va rester comme ça 2-3 jours. Donc c'est pour ça, restriction à fond. Et puis bah, ce matin, grande surprise, super, super gentil. Donc là, on est en train de charger. Et j'étais récupérer la bécane. Les amis, ils ont reçu le kit chaîne avec la couronne de 30 et un pignon de 17. Je peux vous dire que ça va gazer. Et donc là, je vais changer ça et on se retrouve tout à l'heure, voir le fonctionnement. Je vais vous emmener avec moi sur ma bécane et on va y faire un tour. Ok, ça vous dit? Et par contre, voilà, j'ai un petit souci. Le matin, je suis au point mort. Je démarre. Elle avance. J'appuie sur mon embrayage. Je passe ma première et là, elle se barre. Alors que je suis appuyé sur l'embrayage. Ouais, c'est bizarre. Donc du coup, je freine. Du coup, elle cale. Je recommence et c'est bon. Comme si que l'embrayage irait se coller. Ouais. À part ça, roule bien. J'espère qu'elle roulera mieux. Là, je suis arrivé, j'étais à fond de quatrième, j'étais déjà à 60 km/h. Ça va pas. Moi, je veux rouler au moins à 180. Ah, ça y est, attention. T'as le plein. Moi, je veux rouler au moins à 180, quoi. Tranquille. On va changer ça. Hein, bah, toi, allez. Tu vas changer ça, moi, non. Toi, tu ferais mieux de prendre une douche, ça commence vraiment à sentir. C'est parti. Alors, regardez. Reçu le petit carton hier. Je vais vous faire voir ce que j'ai reçu. Voilà, j'ai reçu une couronne de 30. Parce qu'en fait, les pignons, ça va de 15 à 18. Mais le 18, ça passe pas.
ça va frotter au niveau de la boîte de vitesse. Donc j'ai pris une couronne, j'ai pris un pignon de 17 en sortie de boîte et une couronne de 30. Voilà, au moins je peux vraiment mixer. Et je vais devoir rallonger la chaîne, j'ai pris tout simplement une chaîne beaucoup plus longue. Ça c'est la couronne, c'est ce qui va derrière. Et ça c'est le pignon sortie de boîte. Ok ? Donc je commence à démonter tout ça et on va voir déjà si le pignon il passe. Ça va me permettre d'avoir une plus grosse allonge. C'est comme si avec votre VTT vous mettiez sur le grand plateau devant et sur le petit pignon derrière au niveau de la roue arrière. Ce qui fait que vous avez forcé plus, vous savez. Et ben ça va faire pareil avec la moto, comme elle a que 4 vitesses et qu'elle gueule à fond en fait. Tu dis en quatrième. Et ben l'avantage c'est que j'aurai une plus grosse allonge. J'aurai peut-être moins de patates, mais c'est pas ce que je recherche. Moi je veux rouler à 60-70 sans forcer, sans que le moteur il monte trop dans les tours, quoi. Voilà, c'est ça en fait le but de la manip. Bon, vous voyez un peu mieux là. Hop, alors j'enlève le petit pignon, vous voyez, qui s'enlève assez bien. Voilà, tout simple. Hein. C'est vraiment tout simple. Pignon de 15, ok. Et la différence entre les deux ? My past is my present, babe. Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Anyone that ever let me down, forget them forever. My memory's bad, remember me though? My memory's gone, my memory, it limits me home. No tree huggers, cause all the lumber's gone. Niggas knocking on wood, pass through the hood when it's good. And they chopping up wood, breaking up stems till in my brim. With a limp like a pimp. Salut à tous. Eh bien, une nouvelle journée qui commence, hein, ça y est. Hier, j'ai réussi à monter couronne-pignon. Je vais vous montrer tout ça. Et il s'est mis à pleuvoir toute l'après-midi, toute la nuit. Là, c'est gorgé d'eau partout. Et j'ai pas pu trop essayer le Dax. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Vous allez voir. On va le sortir déjà. Je l'ai rentré un peu en speed hier. Bah, je vous dis, il pleuvait trop, c'était un truc de dingue. Il est dans un état. Oh là 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 là. Pouah. Parce que chez les amis, c'est de la terre pour monter là-bas. Donc j'ai été me réfugier là-haut pour pouvoir le finir. Ça c'est pareil, j'avoue, il va falloir que je me trouve une... Il va vraiment falloir que je me trouve une rampe. Parce que le matin... Oh le matin, le dos... Oh ça fait pas du bien. Ah la vache. Vous avez vu l'état? Il est dégueulasse. Allez, on monte les guidons. Et j'ai plein de choses à vous expliquer. Donc alors, à l'origine, j'avais un pignon de 15 devant. Sortie de boîte, pignon de 15. J'ai mis un pignon de 17 pour avoir un peu plus d'allonge. Ok? Donc le pignon de 17, il est passé nickel. J'avais été faire un tour, c'était beaucoup mieux. Et au passage, un tour que j'ai filmé... Enfin, je pensais, mais j'avais pas appuyé sur REC. Sur mon Osmo Pocket, j'ai mis sur mon casque, en fait, j'ai pas appuyé sur filmer. Enfin, c'est pas grave, on va en faire un après, vous allez voir. Mais il manquait encore un petit peu. Et comme j'avais acheté une couronne de 30, derrière, je voulais la mettre. Et en fait, elle passait pas. Mon axe, il était plus petit au milieu, et mes trous de boulon, ils correspondaient pas. Du coup, on a été chez les amis, et j'ai tout poncé à l'intérieur avec une petite machine à bande. Vous savez, une petite ponceuse à bande là, j'ai tout poncé l'intérieur, j'avais fait des marques, des repères pour être vraiment plus juste. J'ai repercé des trous et j'ai réussi à l'adapter. Et tout ça avec la même chaîne. Donc j'ai acheté une chaîne pour rien. Enfin, j'ai pas acheté pour rien, ça me permettra de la changer le jour où j'aurai besoin de la changer. Alors maintenant, je suis monté avec un pignon de 17 devant et une couronne de 30 derrière. Et vous allez voir, on va y faire un tour. Parce que j'ai essayé vite fait hier. Vous allez voir que ça marche vraiment pas mal. Allez, je m'équipe et on va faire un tour ensemble. Et on clôturera la vidéo là-dessus. Donc alors,
J'avais acheté un petit micro-cravate et en fait, j'avais pas fait gaffe, il va que sur les smartphones. Donc c'est pas grave, je me sers de mon téléphone comme enregistreur et vous allez voir qu'il fait vraiment un bon son. Franchement, je suis super étonné, agréablement surpris, parce que le son, il est meilleur qu'avec un enregistreur, qu'avec mon petit enregistreur. Et je me dis, Jérém, pourquoi t'as pas pensé à faire ça avec ton téléphone ? Hein, pour 8 euros, là. 8, 10 euros, je crois. Et j'ai acheté un enregistreur à une trentaine d'euros, avec le son qui est vraiment dégradé, hein, par rapport à mon téléphone. C'est un truc de dingue. Donc là, je vais sur mon enregistreur vocal. Tac. Ah bah, c'est bon, c'est parti. Je le range dans ma poche, je me prends pas la tête. Et on va aller faire un tour ensemble. On va fixer la GoPro sur le casque. Voilà, c'est parti. Donc la première, pareil, beaucoup plus longue, mais vous voyez, ça va, ça tire pas trop sur la première. Franchement, on aurait pu encore mettre... on aurait pu gagner encore sur le pignon, mettre un pignon de 18, mais il passe pas, il tape dans la boîte de vitesse. Il passe tout seul, mais dès qu'on met la chaîne dessus, il passe plus. On va faire chauffer la bête gentiment. Ouais, je suis déjà en troisième, là, vous voyez ? Voilà, là, je suis en quatrième. Je suis à 30 km/h, je suis en quatrième. Donc, vous voyez, encore moyen de... On aurait pu gagner encore. Hein. Après, c'est fait exprès, je pense. Ils font un truc qui gueule. Comme ça, vous pouvez pas monter trop en vitesse, parce que ça, c'est pas le genre de véhicule où il faut rouler à... À 100, 110, ça commence à être un peu dangereux, en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils font... Bah, c'est mal étudié, en fait. Hein. Si c'était vraiment si dangereux que ça, ils avaient qu'à pas faire un 125. Hein. Première. Deuxième. Vous avez vu, ça tire encore court. Hein. Troisième. Voilà, je suis déjà en quatrième. Par contre, le fait d'avoir des rapports beaucoup plus longs, maintenant... Eh ben, c'est plus agréable à rouler, je trouve. C'est moins, moins sec. On va fermer la visière. Parce que ça commence bien à flotter. Je fais ça pour vous. Hein. Oh la vache. Moi, je prends pas trop de plaisir à rouler quand il pleut. Donc, je fais vraiment ça pour vous. Hein. J'espère que le son est pas mal. Je repasse en troisième, là. Mes roues, elles sont toutes dégueulasses. Je vais faire attention. On est en point. Voilà. Et là, vous allez voir que maintenant, je peux rouler à 70 sans que le véhicule y gueule de trop. Là, je suis à 40. Je suis en troisième toujours. Voilà, je suis en quatrième. Je suis en quatrième. Voilà, je suis à 60, 65 km/h. Et ben, ça roule bien. Vous avez vu, ça crie pas de trop. Ça gueule pas de trop. C'est nickel. Voilà, là je suis à 70, vitesse de croisière c'est pas mal, voilà. Moi c'est ce que je voulais, pouvoir me déplacer à 70 km/h sans que le moteur il hurle en fait. Voilà, je prends 90, ça plafonne. Mais c'est bien parce que franchement il faudrait pas plus. Eh bien voilà, je suis plutôt satisfait du truc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est beaucoup mieux. Regardez comment c'est magnifique. Ah, je vais aller vous faire voir un petit truc. Et après, on va se quitter. Voilà, prends de bon repos. C'est ici qu'on a resté posé plusieurs jours. Les gens sont super gentils, franchement. Excellent. Excellent. J'allais vous faire voir un petit truc qui est super chouette. Vous allez voir, c'est magnifique. Bah, je trouve ça trop beau, c'est trop mignon. Et on se quittera là-dessus, les bandits. On se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et le petit tour en moto aussi. Et puis on essaiera d'en faire plus souvent des vidéos comme ça parce que c'est sympa. Regardez si c'est pas joli. Si c'est pas magnifique. Je pourrais rester là des heures. C'est trop beau. C'est chouette, hein. Et bien sur cette vidéo bien reposante, parce que moi je trouve ça reposant,
On va se quitter, on se dit à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Et surtout là, ne manquez pas là, le live dimanche à 18h comme d'habitude. Voilà, prenez soin de vous, gros bisous, à bientôt. Non, tu ne mettras pas ça. Non.